Bonjour, je suis Valérie Podvin. Donc, je vous présente ici une installation que j'ai faite dans le cadre d'un prix que l'œil de poisson m'a remis pour mon exposition des finissants à l'Université Laval. Donc, c'est le prix tombé dans l'œil. Donc, j'ai bénéficié d'un mois de travail d'atelier ici à l'œil de poisson. Donc, c'était génial et j'ai vraiment conçu le travail en fonction de la petite galerie. Donc, j'ai fait un travail qui s'intégrait ici, selon les dimensions et tout ça. Au niveau de ce que c'est, donc c'est une installation qui contient 24 personnages que j'ai réalisés en matériaux pauvres et récupérés, donc tape, papier, vêtements récupérés, que j'ai ensuite peinturés et mis en installation. Au niveau de ce sur quoi je voulais travailler, bien, moi je revenais du Mexique. Et quand j'ai pensé à ce que je voulais faire, mais c'est sûr que c'était important pour moi de parler un peu de mon expérience ou de partir de cette expérience-là. Donc au Mexique, bon, on sait tous que c'est un univers un peu surréaliste. Donc j'avais envie de cette ambiance-là, de cet univers-là. Je continue aussi à travailler, bon, en installation aussi, toujours avec des ambiances un peu étranges, avec je sais pas comment dire. un univers qui est un peu indéterminé, incertain. Je ne traite pas de thèmes spécifiques, mais c'est sûr que là, ce qui m'avait beaucoup touchée au Mexique, c'était la surpopulation. J'avais réfléchi beaucoup au sujet de l'identité de ces gens-là qui vivent vraiment entassés les uns sur les autres. Donc, c'est à partir de ça que j'ai travaillé. Je ne dis pas que mon travail vraiment reflète un constat ou pas du tout une pensée à ce sujet-là, mais c'était vraiment le point de départ de mon travail. Et de fil en aiguille, bon, en travaillant à l'atelier, ça change, ça se modifie. J'ai décidé de tout mettre en blanc, en monochrome, plancher, mur, tout ça pour vraiment créer un espace entier, que le spectateur soit vraiment englobé en totalité là, dans l'œuvre. Donc, c'est à peu près ça. Je sais pas trop ce que je pourrais dire.